D'ailleurs, même le président de la République, son excellence Paul Biya, en est vraiment conscient des efforts que vous faites à Canal D pour faire une communication communicationnelle. Soyez-en sûr, le président Paul Biya est à votre écoute. Nous avons pensé que vous deviez naturellement remercier le PDG, M. Emmanuel Tchatché, parce que c'est sa télé. Mais je vous dis que je remercie le président Paul Biya. Et je vous assure que le président Paul Biya, c'est quelqu'un de bien et quelqu'un de libre. Il faut seulement apprendre à comprendre le président Paul Biya, parce que beaucoup parlent de Paul Biya et ne comprennent pas ce que ça veut dire Paul Biya. Je vous assure, Paul Biya, c'est quelqu'un de... Oui, Excellence, à vous entendre parler, je ne sais pas, vous priez souvent? Mais je prie souvent l'Éternel Dieu, mais après je dis merci aussi au président Paul Biya, parce que vous savez, c'est quelqu'un de magnanime, pour tout dire, le président Paul Biya. Lorsque il vous arrive souvent de dormir, vous rêvez souvent du président de la République? Je rêve que je cause avec lui. Avec le président Paul Biya. Parce qu'on a constaté que chaque fois que vous voulez prendre la parole, avant de dire bonjour, vous avez déjà dit son excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Nous le savons tous, nous savons c'est notre président. Mais vous adressez quand même au ministre de la Communication. Oui. Et autant je vous donne la possibilité de communiquer, autant je peux vous retirer cette possibilité de vous exprimer. Les exemples parlent d'eux-mêmes. Oui, mais puisque c'est un constat... Est-ce que c'est une mauvaise chose de remercier le président Paul Biya pour un bienfait qu'il m'a fait? Ah non, il ne faut pas être ingrat. Ah, donc c'est par reconnaissance alors? Non, mais j'ai parlé d'abord, quand j'ai remercié le président Paul Biya, je vous assure que le président Paul Biya n'est pas comme vous croyez. Avant que vous ne soyez ministre, est-ce que vous parliez comme ça, président Paul Biya, président Paul Biya? Au départ, j'ai parlé autrement comme les autres. Mais bon. Quand j'ai eu le temps d'étudier la personne Paul Biya, franchement, je vous assure, Allahu Akbar, Paul Biya, c'est quelqu'un de bien. Alors si aujourd'hui, vous n'êtes plus ministre, vous allez toujours parler de son excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, c'est un homme de bien, vous allez toujours continuer de dire tout cela? Mais dans un premier temps, je vais me fâcher, comme tout le monde, je vais me fâcher, mais après... Comme on dit, comme il a toujours fait au Cameroun, il n'abandonne personne. Il faut toujours dire les saisons d'excellence Paul Biya. Et il est toujours à l'écoute des bonnes choses. Finalement, on ne vous comprend pas. Vous êtes déjà du RDPC ou bien c'est quoi? Est-ce que vous m'avez vu porter la tenue du RDPC? Je suis seulement le ministre de la Communication. J'ai apporté mon expérience dans... Et l'avancée du Cameroun, oui, vers la modernité. Oui. Alors pourquoi, et d'ailleurs même si je suis dans les RDPC, ça regarde qui? Ça regarde que moi. Oui. Mais ça ne vous regarde pas. Vous avez oublié vos militants? On vous a envoyé. Non, puisque... Non, je demande même si on vous a envoyé. Ça, c'est la question que l'homme de la rue se pose. Vous savez quel traitement j'ai réservé souvent aux pseudo-communicateurs. Oui. Oui. Puisque lorsque vous parliez souvent de votre parti, vous aviez des ambitions présidentielles, mais aujourd'hui, ça veut dire que vous ne pouvez, lors de la prochaine élection, vous n'êtes pas candidat? Mais attendez, messieurs les journalistes, ne prêtez pas des intentions aux gens, parce que quand vous parlez souvent, quand vous-même vous me voyez, je ressemble à un président. Ne me prêtez pas les intentions. Moi, je suis ministre de la Communication et c'est pourquoi je remercie le président Paul Biya d'avoir eu cette pensée vraiment géniale pour me permettre de communiquer ses pensées à tous les Camerounais. Oui, nous également, à Canadien International, nous remercions son excellence, le président de la République, Paul Biya. C'est ça qu'on vous demande depuis, vous ne comprenez pas. Voilà. Vous faites ça. Oui. Donc, quittons un peu ce côté-là. Parlons maintenant de la communication au Cameroun. Comment se porte-t-elle? Elle se porte à merveille, d'ailleurs, que vous me voyez en bonne santé, oui, avec bonne mine. D'ailleurs, les chaînes de télévision sont à l'aise, les chaînes de radio se sont mis au pas. D'ailleurs, ça veut dire que la communication est vraiment communicationnelle au Cameroun. Voilà. Nous allons parler de l'actualité, hein, la mort du journaliste.
qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Quelle est la position du ministre de la Communication quand nous savons que le chef de l'État a demandé qu'on ouvre une enquête pour savoir de quoi il est question? Votre position, c'est quoi? C'est d'ailleurs une situation que nous déplorons beaucoup. Et son Excellence le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, a instruit une ouverture d'une enquête qui est en train de suivre son cours. Le reste, ça dépend de la journée. Ça revient entre les mains de la justice. C'est la justice qui va faire son travail et elle fera vraiment son travail. Oui. Est-ce qu'on peut passer à une autre question? Parce que le sujet, là, je ne veux plus parler sur ça. Donc, juste une dernière question à propos de cela. Vous avez annoncé dans la chaîne nationale qu'on allait faire l'autopsie de ce journaliste et qu'il y a un journaliste de mutation qui devait être à côté pour voir comment ça se passe. Mais on dit que lorsque le journaliste est arrivé à la mort, on lui a dit que c'était pas par là, on lui a indiqué une porte, il est parti là-bas, on lui a plutôt dit que c'était au niveau de la mort. Finalement, il n'a pas assisté à l'autopsie. Ça veut dire quoi? Vous jouez ou c'est mais quoi? Attendez, il ne faut pas céder à la rumeur. La communication est une communication, vraiment. Entre ce que les gens disent et ce qui se passe, il y a toujours un grand fossé. Ouais. Le chef de l'État m'a demandé de communiquer et je communique. Oui. Il a été instruit que lors de l'autopsie de ces corps, il y aurait un journaliste, je vous assure, critique même. Oui. Très critique, oui. Dans sa moralité déjà. Donc c'est pour vous montrer la transparence du gouvernement. Hein? Qui vous a dit qu'il n'a pas assisté? Qui alimente tous ces foyers de tension? Je crois que si les journalistes. D'ailleurs, passons à une autre question. Oui, Excellence, lorsqu'on vous a nommé, vous n'aviez pas les joues, mais depuis un temps, ça veut dire que être ministre, c'est une bonne chose. Mais vous croyez que quoi? C'est l'avantage du métier. Toute chèvre brute là où elle est attachée. Vous voulez que je mange et je ne dis pas merci à son Excellence Paul Biya? Je remercie le président Paul Biya. Oui, alors ça veut dire que lors des prochaines élections présidentielles, vous allez battre campagne pour le président de la République? Mais je vous assure que dans ce genre de situation, on essaie de scruter les candidats. Alors, parmi les candidats, d'ailleurs, moi, je ne suis pas candidat. Déjà. Et vous dites ça aux militants, vous n'êtes pas candidat? Est-ce que je ressemble à un président? Je vous ai posé cette question-là tout à l'heure. Oui. Je ressemble à un ministre. Oui. Alors, vous allez battre campagne pour le... Pour le candidat que j'aurais choisi. Il y a combien de candidats, finalement? Il n'y a qu'un seul. Ah oui. Et si après avoir battu campagne. Il n'y a pas d'autres questions que vous avez gardées? Je suis là. Bon, alors à la suivante. Voilà. Si on vous enlève aujourd'hui. À la suivante. Je peux même vous aider. Hein. Vous vouliez qu'on parle de quoi? Que vous me posez des questions. Est-ce que mon gandoura est bien repassé? Non, c'est pas ce que le peuple veut savoir. Attendez. Ne faisons pas les désordres dans une communication communicationnelle qui se fait communicationnelle. Oui. Je voulais, par exemple, que vous me posiez la question de savoir est-ce que mon système est bien fixé? Non, pas parce que vous ne l'avez pas. Ah bon? Vous voyez, les choses changent, c'est trop de travail. Oui. Excellence, il vous arrive souvent de jouer? À quoi? De jouer, de faire du sport, de vous amuser, d'aller en boîte? Je joue souvent le basket. Oui. Les volets. Oui. Bon, de temps en temps, j'ai fait... Vous allez en boîte? En cachette. Oh, Excellence. Bon, nous allons bientôt mettre fin à cet entretien. Je ne sais pas s'il y a quelque chose, une communication que vous vouliez passer, n'est-ce pas, à des millions de téléspectateurs de notre chaîne. Je profite de ce canal D pour remercier le président Paul Biya. Encore. Le président de la République du Cameroun. Il n'a jamais été président de la République du Tchad. C'est où le Cameroun? Je vous dis que je profite de cette occasion pour remercier. Si vous avez un problème à ça.
On n'a pas de problème, mais c'est comme si... C'est comme si quoi? J'ai dit, je remercie... Mais il est le président de tous les Camerounais. Justement, je remercie, et vous devez faire en autant. Oui. Que moi. Oui. Je remercie le président pour le bien. Oui. Vous voulez encore lui dire merci? Merci encore sur l'excellence pour le bien. Le président des présidents, le président de la sous-région, le président même du monde entier. Allahu Akbar. Oui. Tant qu'il est là, vous aussi vous êtes là. Oui. J'allais oublier une question sur comment voyez-vous la chaîne Canal 2? Canal 2? Oui. C'est une chaîne qui est en pleine émergence, mais il lui manque seulement une seule chose. C'est-à-dire, vous ouvrir une porte où vous pouvez de temps en temps venir remercier le chef de l'État? Non, mais d'ailleurs, même vous devez d'abord remercier le chef de l'État dans la télévision. C'est quand même le président de la République. Oui.